Yatsi. Maman. Maman. Ne pleure pas. Tout va bien. Tu as perdu du poids. Tes études ne sont pas trop stressantes? Non. Ne te couche pas trop tard, tu as besoin de repos. Je le sais. Ton père est souvent là? As-tu appris à cuisiner? Comment ça se passe? Tout va bien, maman. Ne t'en fais pas. Ne néglige pas la cuisine. Tu es encore en pleine croissance et tu as besoin de bien manger. Tu ne peux pas te contenter de nouilles instantanées. Je suis capable de m'occuper de moi, maman. As-tu peur toute seule, la nuit, quand je ne suis pas avec toi? Je m'y suis habituée. Ça va. Pries-tu toujours? Et lis-tu toujours les paroles de Dieu? Bien sûr. Oh. Pourquoi ta gorge est-elle enflée? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Hein? Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai un lymphome. Je me fais opérer le 4 du mois prochain. Comment est-ce arrivé? Le médecin dit que c'est à cause du stress et de la dépression. Après ton départ, la police et les brassards rouges sont venus sans arrêt pour m'intimider et me demander où tu étais. Et mes profs et mes camarades se sont moqués de moi. J'avais peur de rentrer, peur d'aller au lycée. Et j'ai souvent eu envie de sauter du balcon et d'en finir. Mais j'avais peur de ne plus jamais te revoir si je sautais. Maman, j'ai peur. Yatsi, n'aie pas peur. Dieu est à nos côtés. Il est notre roc. Même si on est malade, on doit juste s'en remettre à Dieu. Il s'en occupera. On ne doit pas avoir peur. Nous avons foi dans le vrai Dieu, Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu disent « Dieu Tout-Puissant est un médecin tout-puissant ». Demeurer dans la maladie, c'est être malade. Mais demeurer dans l'esprit, c'est être bien. Notre vie et notre mort sont entre ses mains. Si nous prions Dieu, il nous aidera assurément.
se gagne pas en un jour ou deux, mais par un grand sacrifice. Je suis traquée par le grand dragon rouge. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et voilà que ma fille est malade. Que dois-je faire? Oh Dieu, je vis vraiment un moment difficile. Si ma fille devait mourir, que ferais-je? J'ai compris que Dieu arrangeait toutes ces situations pour nous perfectionner et nous sauver. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais, Sœur Liang, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je vais bien. Tout va bien. Je propose qu'on s'arrête là, alors. D'accord. Au revoir. J'ai quitté ma famille pour me dépenser pour Dieu. Il devrait nous protéger. Comment ma fille peut-elle avoir un cancer? Dieu met-il ma foi à l'épreuve? Sœur Liang, tu penses toujours à ta fille? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Comment peut-elle avoir un cancer? Savoir que tu ne peux pas prendre soin d'elle alors qu'elle est malade doit être très douloureux. Tiens, je viens de penser à un passage des paroles de Dieu. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles et qu'ils aient de la négativité en eux-mêmes ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudît le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu veut, en un mot, est la foi de l'homme et son amour pour lui.
ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi de l'homme, son amour et ses aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection de l'homme, et il ne peut pas le voir ni le sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. Amen. 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 Je me suis sentie faible dès qu'elle m'a dit qu'elle avait un cancer. Ma stature est encore trop petite et ma foi insuffisante. Quand on se consacre entièrement à Dieu, il nous guide à travers les difficultés. Quand tu endures la souffrance, tu dois parvenir à oublier la chair. Quand Dieu se cache, tu dois avoir la foi pour le suivre. Ton amour ne doit ni faiblir ni mourir. Qu'importe ce que Dieu fait, tu dois accepter son dessein. Maudit ta chair, au lieu de te plaindre de lui. Fais-le dans l'épreuve, même si tu pleures. Oui, paie ce que tu aimes, tels sont l'amour et la foi. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sain et sauf dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire et qui pourtant ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparée de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il m'a quitté pour chercher l'aide de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai enlevé tout ce qu'il m'avait demandé, il a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner.
J'ai été paralysée quand j'ai découvert que ma fille avait un cancer. J'avais du mal à faire mon devoir. Et il y avait des plaintes dans mon cœur. Je n'ai pas dit à voix haute que Dieu aurait dû protéger ma famille parce que j'avais travaillé pour lui. Mais j'étais tourmentée par les doutes. Pourquoi ma fille était-elle tombée malade? Je me suis rendu compte que ces plaintes signifiaient que je blâmais Dieu et me rebellais contre lui. Que tout mon travail et mes sacrifices étaient impurs. Que j'étais toujours motivée par le désir de bénédiction. Sans le cancer de ma fille, je croirais toujours bien agir. Cette épreuve m'a complètement exposée. Où sont mon amour pour Dieu et ma soumission? Je suis si déraisonnable, je ne mérite pas d'être considérée comme humaine. Oh. La maladie de ta fille t'a enseigné une leçon. C'est une bonne chose. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu. Oui. C'est vrai. Je viens de me souvenir d'un passage des paroles de Dieu. Dans leur croyance en Dieu, les gens cherchent à obtenir des bénédictions pour l'avenir. C'est le but de leur foi. Tous les gens ont cette intention et cet espoir. Mais la corruption dans leur nature doit être résolue à travers des épreuves. Ce sont les aspects impurs de l'homme qui doivent être épurés au travers de ces épreuves. C'est l'arrangement de Dieu. Dieu crée pour toi un environnement te forçant à y être épuré de sorte que tu puisses connaître ta propre corruption. À terme, tu atteins un stade auquel tu préférerais mourir, renoncer à tes projets et tes désirs et obéir à la règle et au plan de Dieu. Ainsi, si l'homme n'a pas des années d'épurement et ne souffre pas dans une certaine mesure, il ne pourra pas se libérer de la servitude de la corruption de la chair dans ses pensées et dans son cœur. Quels que soient les aspects où tu es encore soumis à Satan, et quels que soient les aspects où tu gardes tes désirs et tes exigences, ce sont ces aspects-là dans lesquels tu devrais souffrir. Ce n'est que par la souffrance que des leçons peuvent être apprises, ce qui signifie être capable d'acquérir la vérité et de comprendre la volonté de Dieu. En fait, de nombreuses vérités sont comprises en faisant l'expérience d'épreuves pénibles. Nul ne peut comprendre la volonté de Dieu, reconnaître sa toute-puissance et sa sagesse, ou apprécier son juste tempérament dans un environnement confortable et facile ou quand les circonstances sont favorables. Ce serait impossible. Amen. Amen. Les paroles de Dieu sont très claires. Et son œuvre pour sauver l'humanité très concrète. Oui. C'est vrai. Avant, parce que je travaillais dur et faisais des sacrifices pour ma foi, je croyais être très dévouée à Dieu et pouvoir gagner son approbation. Mais face à l'épreuve, quand j'ai dû fuir parce que j'étais traquée par le grand dragon rouge, je suis devenue négative et je me suis plainte. Je me suis rendue compte que je manquais totalement de dévotion et de soumission envers Dieu. Je ne suivais Dieu que pour ses bénédictions et je n'étais pas prête à souffrir. C'était le fruit de désirs extravagants et d'une corruption qui ne pouvait être purifiée que par le jugement et le châtiment. Oui. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas connu ma vraie mesure et j'aurais continué à ne me soucier que des bénédictions de l'entrée dans le royaume. C'était terriblement déraisonnable. Cette expérience m'a montré à quel point la souffrance et les difficultés peuvent nous aider à grandir dans la vie. Oui, absolument. Dieu me met à l'épreuve et m'expose au travers de la maladie de ma fille. C'est pour mon salut. C'est l'amour de Dieu et je lui en suis très reconnaissante. Amen. Amen. Ces derniers jours, j'ai lu des passages des paroles de Dieu qui m'ont beaucoup inspirée. Lisons-les ensemble. Je vais lire. Tenez. Job n'a pas négocié avec Dieu. Il n'a rien requis ni rien exigé de lui. Il louait son nom par sa grande puissance et son autorité régnant sur toutes choses. Cela ne dépendait pas des bénédictions qu'il recevait ni des désastres qui le frappaient. Il croyait que Dieu bénisse les gens ou leur inflige un désastre,
sa puissance et son autorité ne changeraient pas. Ainsi, peu importe dans quelles circonstances on se trouve, le nom de Dieu devrait être loué. Si l'homme est béni par Dieu, c'est grâce à sa souveraineté. Quand le désastre frappe l'homme, c'est aussi du fait de sa souveraineté. La puissance et l'autorité de Dieu dominent et arrangent tout ce qui le concerne. Les impondérables du sort de l'homme sont la manifestation de sa puissance et de son autorité. Quel que soit notre point de vue, le nom de Dieu devrait être loué. Amen. C'est ce que Job a expérimenté et saisi au cours de sa vie. Toutes ses pensées et ses actions sont parvenues aux oreilles de Dieu et sont arrivées devant lui. Dieu les a considérées comme importantes. Il chérissait cette connaissance de Job et le chérissait lui parce qu'il avait un cœur comme le sien. Ce cœur attendait toujours l'ordre de Dieu où qu'il soit. Il accueillait tout ce qui lui arrivait partout et à tout moment. Job n'exigeait rien de Dieu. Il exigeait de lui-même qu'il attende tous les arrangements qui venaient de lui, les accepte, les affronte et leur obéisse. Job croyait que c'était son devoir. Et précisément ce que Dieu voulait. Car le cœur de Job était pur et non caché à Dieu. Il était d'humanité honnête et bienveillante et aimait la justice et les choses positives. Seul un homme comme lui, possédant un tel cœur et une telle humanité, pouvait suivre la voie de Dieu, le craindre et s'éloigner du mal. Un tel homme pouvait voir la souveraineté de Dieu, son autorité et sa puissance, et obéir à sa souveraineté et à ses arrangements. Seul un tel homme pouvait vraiment louer le nom de Dieu. Car il n'a pas demandé s'il le bénirait ou lui causerait du malheur. Il savait que tout est contrôlé par sa main et que l'inquiétude de l'homme était un signe de sottise, d'ignorance, d'irrationalité. Un signe de doute de sa souveraineté sur toute chose et d'un manque de crainte de lui. La connaissance de Job était précisément ce que Dieu voulait. Amen. Amen. La foi de Job était immense. Il comprenait pleinement que les fruits de son dur labeur lui avaient en réalité été donnés par Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire que Dieu donnait et que Dieu reprenait, et bénir le nom de l'Éternel Dieu. Je n'arrive vraiment pas à la cheville de Job. Dieu ne permet-il pas que ma fille ait un cancer? Pourquoi n'avais-je pas la moindre idée de la volonté de Dieu dans cette situation? Je n'ai vraiment pas assez de foi. Maintenant, grâce à la prière et à la lecture des paroles de Dieu, je comprends sa volonté. Et je sais que le destin de ma fille est entre ses mains. Quel que soit le résultat de l'opération, je me soumettrai aux arrangements de Dieu. Je ferai bien mon devoir et je lui rendrai son amour. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Faisons une pause. J'ai apporté de l'eau. D'accord. Allons-y. Tu as reçu une lettre de chez toi. Je me suis dit que ça pouvait être urgent, alors je te l'ai apportée. Oh, merci. Maman. J'ai de bonnes nouvelles. Mon opération s'est très bien passée. Comme j'avais très peur, avant d'être opérée, j'ai prié Dieu
pour lui demander de me bénir, en s'assurant que tout irait bien. J'avais moins peur après ma prière, et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, l'opération était finie. Le médecin a dit que ça s'était très bien passé. J'étais si heureuse que je me suis mise à pleurer. Je sais que Dieu m'a protégée. Je lui en suis très reconnaissante. Ne t'inquiète pas, maman. Ma convalescence se passe bien. Il ne faut pas que ça t'empêche de dormir. Concentre-toi sur ton devoir et rends son amour à Dieu.